J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un point lecture. Toujours 5 romans à vous présenter dans ce nouveau point lecture. Et on va commencer tout de suite avec La Source, donc le troisième tome de la saga Kayla Marshall de Estelle Wagner, publié au Chat Noir, qui est donc le troisième et dernier tome. Alors, je vais essayer de vous faire un petit résumé, mais c'est compliqué quand on arrive à la fin de ne pas spoiler et de juste vous donner envie. Kayla Marshall, c'est de l'urban fantasy française. On suit donc l'héroïne, la saga porte son nom et son prénom, lorsqu'elle est répudiée de son clan, donc un clan de loups, de métamorphes, parce qu'elle n'a pas trouvé sa louve, alors qu'elle est la petite fille de l'alpha et que, logiquement, elle est amenée à diriger à son tour. Donc elle va partir avec sa voiture qu'elle adore et elle va aller se réfugier près de Nancy dans un autre clan qui la veut bien l'accueillir et elle va rencontrer Max qui va l'aider à s'entraîner, à essayer de trouver sa louve, à essayer voilà, de lui faire comprendre que peut-être que finalement son grand-père qui la vire de chez elle, c'est pas forcément ce qu'elle croit. Et effectivement, cette saga elle est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense au début du premier tome. Premier tome qui est un coup de cœur. Je ne sais pas si je vous aurais posté ma vidéo du bilan 2018, mais il est dedans, donc c'est vous dire à quel point je l'ai aimé. Et pourtant, ce troisième tome, je l'ai lu donc en lecture commune avec Marilyn Titouma Max, donc du blog Summer's Books. Et alors, Marilyn, t'avais peut-être même oublié qu'on l'avait lu en lecture commune, parce que ça remonte, hein, vous savez que je suis en retard dans mes points lecture. Et c'est vrai que l'une comme l'autre, on a quand même été déçus de cette fin. Peut-être pas tant par l'histoire, quoique pour moi un peu quand même, mais déjà par rapport au style. Ce que j'avais adoré en fait dans le premier tome, c'était oui, cette histoire qui se passait en France, de la bonne urban fantasy, et avec une plume que j'avais vraiment assimilée à celle de... Enfin, du moins qui tendait vers celle de Cassandra O'Donnell, mais avec une histoire complètement originale, on n'est pas du tout dans Rebecca Keane, absolument pas. Et donc le premier tome, gros coup de cœur, le deuxième tome, j'avais un tout petit peu moins aimé parce que Estelle introduit ce qui est important pour elle dans l'histoire qu'elle a voulu nous raconter et qui dans le 2 prenait parfois un petit peu trop de place, mais voilà, c'était pas plus gênant que ça et c'était original, ça changeait de ce qu'on lit d'habitude dans ce genre livresque. Et là, le troisième tome, par contre, les premières choses qui ont pêché, c'est vraiment le style, à mon goût. Pourtant, d'habitude, je m'en fous. J'ai lu pas mal de classiques plus jeunes parce que c'est ma formation. Mais voilà, je sais pas ce que je recherche dans une lecture. Après, si vraiment j'ai l'impression que le style dessert l'histoire, c'est là où je vais en parler. Voilà, c'est pour ça que je le fais, d'ailleurs. Pourquoi le style? Alors, c'est pas que les phrases sont simplissimes, ou c'est que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de répétitions dans les périphrases, par exemple, au lieu de donner le nom de Max, qui finalement revient peut-être pas si souvent que ça, c'est son amour, mon amour, mon aimé, mon... Et ça alourdit beaucoup le récit, en fait, et du coup, j'ai passé plus de temps à me dire « Ah, ça me saoule !» qu'à profiter de l'histoire, donc il y a quelque chose qui m'a bloquée. Et j'ai eu comme l'impression que ce tome avait été écrit plus vite que les autres, ou en tout cas qu'il avait été moins corrigé. Et c'est peut-être une erreur, hein, c'est peut-être simplement un ressenti, mais je vous le livre comme ça. L'histoire en elle-même, au-delà du style,
On arrive à la conclusion. La conclusion est plausible. Finalement, la fin rattrape un petit peu, même si je l'ai vu venir. Je l'ai vu venir, mais ça rattrape un petit peu parce que c'est, on reste dans le style d'Estelle Wagner qui nous surprend beaucoup en fait, surtout dans le premier tome et un petit peu dans le deuxième. Donc on reste dans cette ligne de conduite, mais voilà, il y a toute une partie où voilà, ça l'a pas fait avec moi et j'en suis bien déçue. Quand bien même, lisez L'Exil, donc c'est le nom du premier tome, si l'histoire vous attire, parce que franchement, il est super bien, et peut-être que, voilà, c'est mon ressenti à moi, et j'ai pas envie de vous faire rater une saga qui, sur les deux premiers tomes, est vraiment intéressante, parce que peut-être qu'au moment où j'ai lu le troisième, j'étais peut-être moins disponible pour cette lecture, je sais pas. Je cherche des explications parce que j'ai été très très étonnée. Et du coup, ce que je vais faire, je vais vous mettre en lien la chronique. Je pense que Marilyn a dû la publier depuis un petit moment. Donc je vous mettrai le lien de sa chronique, comme ça vous permettra de voir et de lire autre chose que mon avis à moi. Je vous parle ensuite du dernier roman de Clarisse Sabat, La vie est belle et drôle à la fois, publié aux éditions Charleston. Oui, je vais finir de vous parler de mes romances de Noël dans ce point lecture parce que nous sommes, à la fin janvier, donc ce serait bien hein, qu'on passe à d'autres types de lectures. Ce Clarisse Sabart, dont je vous laisse admirer la couverture, alors qui est une couverture en fait différente de l'original, que je trouve trop estivale. Donc vraiment, pour Noël, c'était une super idée de faire cette couverture-là qui donne bien envie. Livre très sympa que j'ai lu en lecture commune avec Valou, donc un temps pour elle, dans lequel Clarisse Sabart va nous parler de Léna. Léna qui est une trentenaire parisienne qui travaille de chez elle parce qu'en fait elle gère des commandes sur internet qu'elle réalise elle-même pour de la décoration, si je ne dis pas de bêtises, pour enfants. Et du coup, elle a un frère qui s'appelle Tom, ses parents qui n'habitent pas du tout en région parisienne, qui sont séparés. Et les fêtes de Noël approchent. Et souvent, c'est vrai que ça revient. Dans les romances de Noël, on a une héroïne qui n'aime pas Noël, pour des raisons parfois différentes, explicables ou pas, peu importe. Et là, c'est le cas de Léna. Léna n'aime pas Noël, et du coup, sa mère lui envoie un mail en l'invitant à revenir dans le petit village de son enfance pour passer les fêtes de Noël avec elle, avec son frère, sa belle-sœur et sa nièce. Et puis d'en profiter pour revoir sa grand-mère et bon, toute la famille, quoi. Donc de fêter Noël en famille. Au départ, elle ne veut pas et puis finalement, elle va céder. Et donc, en fait, ils vont arriver dans ce petit village montagneux avec Tom, donc son frère, et Violette, sa nièce. Mais Tom n'est pas accompagné de sa conjointe. Et c'est une première question pour Léna, pourquoi n'est-elle pas là? Donc ils vont arriver, ils sont accueillis par leur grand-mère, que Léna affectionne beaucoup. Ils vont voir leur oncle, donc le frère de leur père, qui est curé, mais qui a des réparties parfois très 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 drôles. Il n'est pas du tout austère, au contraire, il est bienveillant. Et en fait, ils vont se rendre compte que leur mère les a invités à se réunir, mais qu'elle, elle ne sera pas là. Et ça, ils vont s'en rendre compte le lendemain de leur arrivée. Et Léna, ça va la mettre super en colère parce que elle comprend pas l'intérêt de les inviter si la personne qui invite n'est pas là. Et puis, elle est un peu inquiète aussi. Qu'est-ce qui est arrivé à sa mère ? Et pourtant, dans les mails qu'ils reçoivent, Tom et elle, elle est plutôt rassurante en fait. Et on se rend compte que si elle a fait ça, bah, c'était dans le but de rapprocher la famille. Pourquoi? Parce que, en fait, Léna en veut beaucoup à son père. Parce que son père a divorcé de sa mère, il l'a laissée lorsque son propre père, donc le grand-père de Léna, est décédé. Et du coup, elle-même, par rapport à ça, a du mal dans les relations amoureuses. Et
elle sait que ça vient de cette séparation et elle n'arrive pas à pardonner à son père. Donc le but finalement de la mère d'Elena et Tom, c'est d'essayer de réconcilier un petit peu toutes ces personnes. Et en fait, ce qui est vraiment très très sympathique, c'est que d'une déjà, voilà, on est dans un village de montagne, donc on a bien l'ambiance noëlesque, avec la neige, là il y en a beaucoup beaucoup, ça se passe vraiment pendant les fêtes, et c'est vraiment l'histoire de est-ce qu'on peut passer une fête de famille lorsque la famille va mal. Et du coup, bah, Clarisse Sabar, elle pose la question, et en fait, oui, Léna a une raison, et pour le coup j'ai trouvé que c'était une raison qui était vraiment pas drôle. Il y a même un moment où le livre ça m'a fait de la peine pour elle de comprendre pourquoi elle avait associé Noël à quelque chose de triste et qu'elle voulait absolument éviter. Et ça parle des secrets dans une famille et de ce qu'on pense faire bien pour un enfant qui finalement peut être un boulet qui va traîner toute sa vie. Parce que les adultes ont préféré cacher une vérité qui n'est pas si grave que ça, en fait. Mais en tout cas, le message final est quand même super positif. Et c'est pour ça que le titre, qui est très positif, très feel good, colle vraiment bien avec le roman, parce que le roman est bien là pour dire que oui, la vie n'est pas facile, mais que si on y met du sien, elle peut devenir et belle et drôle. Et je trouve que les deux personnes qui le montrent le plus, c'est la grand-mère. Mais cette grand-mère, moi j'adorerais avoir une grand-mère comme ça, quoi. Elle va sur des sites de rencontres, elle est sur Mythique, donc elle a des aventures, elle parle de sexe, elle regarde des séries, mais de zombies. Alors avec son fils, qui est, je pense que c'est Walking Dead, vous voyez pas, il est juste là. Moi c'est The Walking Dead, je crois qu'ils regardent tous les deux quand ils ont une soirée libre, et je les trouve excellents tous les deux, parce que lui qui est dans le rôle de quelqu'un qui n'a pas pu fonder de famille à lui, femme, enfant, ou autre forme de famille, et ben du coup il se raccroche quand même beaucoup à son frère, à sa mère et à ses neveux et nièces, et ils sont super attachants les deux, je les ai vraiment adorés. Peut-être plus que Léna, les personnages principaux. Donc bravo Clarisse Sabar pour ces personnages qui sont trop trop sympas. Du coup, si vous ne l'avez pas lu, Noël prochain, c'est vraiment vraiment une lecture très sympa. Et nous passons au premier tome de L'Épouvanteur, donc L'Apprenti Épouvanteur de Joseph Delaney, version poche chez Bayard Jeunesse, que j'ai lu avec Maïté en lecture commune, mais c'est pas du tout ça qui est drôle, c'est que du coup je l'ai lu au moment où j'étais à Montreuil, donc c'est vous dire les gens, ça fait quasiment 2 mois, mon dieu, c'est vous dire le retard que j'ai. Anyway, donc nous avons enfin passé le pas avec Maïté et attaqué la saga de L'Épouvanteur. C'est une saga qui tourne énormément, je sais que Maud par exemple de Des Livres une Fille est très avancée dans la saga. Stéphanie Piketty Bookin est aussi pas mal avancée, me semble-t-il. Et voilà, et d'autres, hein, Marilyn aussi, dont je parlais tout à l'heure, puisqu'elle les lit avec Maud. Et voilà, et nous on le commence. Bon, mieux vaut tard que jamais. Ceci étant dit, maintenant qu'on est sorti de notre grotte, qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier tome? Donc, déjà, qu'est-ce que c'est L'Épouvanteur? Parce que je me dis qu'il n'y a peut-être pas que nous qui ne l'avons pas commencé. L'apprenti épouvanteur, enfin, l'épouvanteur. Donc en fait, c'est un. J'ai pensé que c'était vraiment de la fantasy au départ, et puis il me semble comprendre que c'est notre monde qui a changé, évolué, mais voilà, c'est peut-être une erreur d'interprétation. Et donc, il y a un épouvanteur qui a pour rôle de chasser notamment les sorcières, mais pas que, les trolls aussi, enfin toutes les créatures obscures. Et il recrute des apprentis, et c'est toujours le septième fils d'un septième fils. Et là, il s'agit de Thomas Ward, donc qui est un jeune homme d'à peu près 12-13 ans dans ce premier tome, qui va être l'heureux élu. Thomas, qui vit dans une famille qui n'a pas vraiment beaucoup d'argent, qui vit plutôt de la terre, de ses propres terres, de ses animaux, etc. Et qui a une mère assez intéressante, parce que
D'une, l'épouvanteur la traite d'une façon particulière, son avis compte pour lui. Et deuxièmement, elle est de très bons conseils et elle a parfois des... On se demande si elle n'a pas des pouvoirs en fait. En tout cas, moi, la ressortie de ce... Même du début du premier tome, voilà, c'est ce que je me demandais. Et du coup, ben, pour que l'épouvanteur fasse l'éducation de ses apprentis, il faut que ceux-ci partent avec lui. Donc c'est ce que va faire Thomas. Il a un mois de probation, on va dire. Et du coup, ils vont s'attaquer, dans le... là où vit l'épouvanteur, à quelques problèmes. Notamment un, et on voit la sorcière Mère Malkine apparaître. Et il va devoir la combattre, Thomas. Alors, au départ, je vous avoue que j'avais une vraie crainte parce que c'est une saga qui est très lue, comme je vous le disais, qui en général est très aimée. Et en plus, je me suis rendu compte que ben, elle se lit très, très vite. Après, bon, c'est sûr, hein, il est petit, il fait même pas 300 pages, je crois. Ouais, 275. Et c'est quand même très jeunesse, alors que je pensais que ce serait un petit peu plus difficile. Mais l'un dans l'autre... je vous avoue que quand on fait le tome, alors déjà parce qu'il y a une progression, le début est plus jeunesse peut-être que la fin, en passant. Et du coup, à la fin, en fait, j'avais envie de lire le deuxième tome, donc c'est plutôt bon signe. Je ne l'ai pas encore acheté, mais c'est pas parce que je ne veux pas le lire prochainement. C'est que d'une, il fait partie d'une wishlist pour le Schwab Marathon avec Aurélie. Et de deux, parce que je sais qu'on va peut-être pas le lire tout de suite, on a d'autres priorités avec Maïté de lecture. Mais voilà. En plus, vous savez maintenant que le groupe de lecture commune est ouvert. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Donc on sait qu'on en aura d'autres. Mais l'une comme l'autre, hein, Maïté, tu me reprendras si je me trompe. On a envie de lire la suite. Donc c'est que quelque part... Dans les écrits de Joseph Delaney, il y a quelque chose d'assez addictif. Et c'est pour ça qu'on le lit vite, et c'est pour ça qu'on a envie de savoir la suite. Et oui, c'est jeunesse, mais je me dis que sur, je crois qu'il y a, sur la première saga, il y a 13 tomes, 14, je ne sais plus, et que donc les choses vont peut-être évoluer. En tout cas, c'est, voilà, c'est très sympa à lire, ça ne prend pas la tête. Et j'espère qu'on va aller vers quelque chose de parfois un petit peu plus difficile comme la fin. Voilà. Dernière romance de Noël que j'ai lue cette année, enfin non, c'était en 2018, Pas si simple de Lucie Castel, publié chez Harlequin. Lucie Castel que vous connaissez peut-être sous également le pseudo de Oren Miller. Mais là, c'est de la romance. Alors... C'est l'histoire de Scarlett et Mellie, deux sœurs, qui sont parties en Angleterre parce que Scarlett travaille principalement avec l'Angleterre et avait donc des rendez-vous professionnels. Et Mellie, parce qu'elle voulait l'accompagner, elle est dans la psychiatrie, hein, donc rien à voir, elle voulait l'accompagner pour faire du tourisme. Et donc le jour du 23, je crois, de mémoire, donc quelques jours avant Noël, elles sont à l'aéroport et elles se préparent à rentrer en France parce qu'en plus elles ont perdu leur père l'année qui vient de s'écouler, en tout cas il y a à peu près un an, et du coup elles ne veulent pas que le premier Noël leur mère le passe seule. Donc voilà, elles repartent pour la France. Le problème c'est qu'il y a une énorme tempête de neige et que du coup bah, elles ne vont pas avoir d'avion. Donc déjà le 23, elles restent bloquées, la compagnie leur paye un hôtel. Et pendant cette première attente, Scarlett va vouloir aller aux toilettes. Et elle a un peu tête en l'air, un peu je fais des conneries quoi. Et elle rentre dans les toilettes des hommes parce qu'elle est au téléphone justement avec sa mère. Et elle tombe sur un homme, j'essaie de me souvenir de son nom, William. Qui se moque un petit peu d'elle, et ils ont tout de suite une attirance l'un pour l'autre. Et puis finalement, pendant les heures d'attente, avant de savoir que les avions seront tous annulés, ils vont rester ensemble avec la sœur de Scarlett, donc tous les trois, discuter, et il va y avoir une connexion qui se fait.
Et puis finalement, lui aussi va être bloqué, même dans Londres, donc il ne pourra pas regagner, enfin il ne pourra pas regagner Londres justement. Donc il va aller à l'hôtel lui aussi, payé par la compagnie. Et ils seront dans le même hôtel, donc ils vont discuter le soir. Le lendemain, c'est le même topo, il y a encore trop de neige, donc ils ne peuvent pas partir. Et là, c'est l'affolement pour leur mère, parce que ben, c'est la veille de Noël. Du coup, William va les inviter chez lui, dans un superbe appartement à Londres. Et sa famille va débouler. Et c'est pas du tout ce qu'il avait prévu, à part son frère. En fait, ce qui va être compliqué, c'est que son frère, comme il est homosexuel et qu'il n'arrive pas à le dire à leurs parents, mère, père, grand-mère et tante, il fait passer Scarlett pour sa petite amie. Du coup, ça les met dans une situation, William et elle, qui est ultra compliquée. Déjà que la famille de William est très particulière, une grand-mère qui n'a pas la langue dans sa poche, une mère qui est... J'ai eu l'impression tout le long du roman qu'elle allait tuer quelqu'un. Une tante qui est dépressive et un père qui n'ouvre pas la bouche. C'est assez atypique comme famille. Et c'était bien marrant. Du coup, en fait, ce Noël, les filles, elles vont le passer dans Londres. Donc, elles vont faire un petit peu de tourisme. Et il va y avoir une histoire d'amour entre William et Scarlett. Et en fait... Quand on a discuté avec Lucie Castel, quand je lui ai acheté le bouquin, je suis une grande amoureuse de Londres, et alors Londres à la période des fêtes, il faut que ce soit respecté. Et donc du coup, sur la dédicace, je le revois encore, elle m'a bien noté en espérant que je ne vais pas me faire casser à cause de l'ambiance. Donc, venons-en tout de suite à ça. On est bien dans une ambiance british pour moi, mais pas tant par rapport aux décorations et à toute l'animation qu'il y a dans Londres, puisque du coup tout est bloqué, donc ça peut pas être ça, et que le tourisme qu'elles font, il n'est quand même pas forcément, c'est du tourisme de première fois quoi, c'est Piccadilly Circus, c'est Oxford Street, ça va être les grands magasins les plus connus, Harrods. Ben voilà, il n'y a rien d'ultra original au tourisme, mais c'est normal, donc c'est pas là où je cherchais l'ambiance au vu de ce qui se passe, c'est plutôt dans la famille, et on est bien sur une famille british assez typique de l'époque, même si c'est dans un appartement très moderne et tout, les relations sont tellement froides parfois que du coup oui, ça colle bien. Donc ça passe bien, et en fait surtout moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'histoire elle est assez banale au départ, mais qu'en fait, et peut-être que c'est parce que Lucie Castel vient du polar à la base, il y a de vraies intrigues en fait entre les personnages et du coup des vrais drames, et je sais même plus si on est dans une comédie romantique ou un drame romantique, mais en tout cas c'est réussi, c'est vraiment une romance qui est très sympa, qui parfois est limite cynique, le cynisme anglais, voilà, si vous voyez ce que je veux dire, et qui se lit très très vite, mais qui comporte quand même le repas de Noël, les traditions, la dinde, etc., donc tradition plus anglaise, anglophone, donc je n'ai absolument pas été déçue, mais finalement ce que j'ai préféré, c'est pas du tout la romance de Noël, c'est toute la psychologie des personnages, les secrets de famille qui ont entraîné, encore une fois, je le disais avant dans le Clarisse Tabar, mais là c'est encore plus dingue, qui ont entraîné des mal-êtres, des dépressions et des comportements, mais waouh quoi, enfin, et comme je le disais tout à l'heure, là bravo, mais bravo parce que c'est extrêmement fin, extrêmement bien fait, d'arriver à montrer comment de génération en génération, s'il y a un moment on ne parle pas, on peut se faire du mal. Et donc c'est vrai que c'est le frère de William qui pourrait illustrer le mieux les choses, et en fait on comprend que ça commence par la grand-mère. On est tellement dans des sociétés où certaines choses sont taboues, où on pense qu'il faut se taire pour se préserver, et qu'en fait c'est en se taisant qu'on se fait du mal, alors que finalement... Notre famille, si elle nous aime vraiment, elle va accepter ce qu'on est, quoi que ce soit, enfin, qui qu'on soit plutôt.
Et c'est, ça, c'est vachement bien fait. Donc, moi, je l'avais raté l'année dernière. Je suis contente de l'avoir lu cette année. Si vous ne l'avez pas fait, il faut lire Lucie Castel, pas si simple, pour Noël prochain. Et enfin, le dernier, mais le coup de cœur de ce point lecture. C'est certes le deuxième de l'auteur, mais on est dans un tout autre registre. Je vous parle d'Arena 13, le second tome, La Proie de Joseph Delaney, donc publié au livre de poche. C'est le deuxième tome. J'avais énormément aimé le premier tome, mais c'était pas tout à fait un coup de cœur. Je l'ai lu en lecture commune avec Maud, donc de Délivre une fille, et avec Marion de Entre les lignes. Et je crois que pour toutes les trois, bah, c'est pareil. Hein. Ça a été un coup de cœur global, les filles. N'hésitez pas à me reprendre si c'est pas le cas. Alors, Arena 13. Arena 13, c'est l'histoire en fait de notre monde, mais notre monde des années plus tard, donc qui est devenu presque un monde de fantaisie, dans lequel les hommes vivent derrière une barrière. Et derrière cette barrière, il y a plusieurs terres, plusieurs pays. Et nous, on va suivre Leif. Leif qui est le fils d'un ancien... Alors, on pourrait appeler ça des gladiateurs, sauf que c'est très particulier, les gladiateurs de Joseph Delaney, donc c'est plus compliqué que ça. On va dire le fils d'un combattant de l'arène 13, qui s'est rendu à Jindin, donc là où se trouvent les arènes, pour se faire entraîner par l'un des meilleurs maîtres de novices, d'apprentis, pour lui aussi à son tour un jour aller dans l'arène 13 et combattre. Parce que Leif, il s'est mis une mission. Sa famille a été, son père et sa mère ont été tués, enfin sont morts plutôt, à cause de Hob. Et il veut lui aussi le combattre et le vaincre, le tuer pour venger ses parents. Et donc il a, dans le premier tome, commencé son entraînement, et c'est un entraînement qui est très très particulier, c'est-à-dire qu'il ne se bat pas avec des glaives ou au corps à corps, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ils ont des labres, et donc ce sont des lacres, c'est l'abréviation de simulacres, on va dire des simulacres, donc presque des hommes mais avec une forme plus différente, et en fait on peut les programmer, un peu comme de la programmation informatique. Donc dans le premier tome, Leif s'est battu, il a rencontré Quinn, la fille cadette de son maître, et il est amoureux d'elle alors qu'il a quoi, une quinzaine d'années, et du coup ça lui fait faire des conneries, disons-le, hein. Il a failli être envoyé de son apprentissage à cause d'elle. Et là en fait dans ce deuxième tome, il est par son père, il est Gentai, et les Gentai c'est un peuple qui vit selon ses propres, dans la forêt plutôt, selon ses propres us et coutumes, et il a envie d'aller un petit peu à la rencontre de cette moitié de lui. Et c'est le début du roman, et puis après il va revenir à Jindin. Et les Gentai l'ont pas mal mis à l'épreuve, parce que ce sont des guerriers, et des guerriers plutôt courageux, mais il s'est pas démonté. Du coup, il retourne à Jindin, et les choses vont reprendre, et dans ce tome, on sent bien qu'on va vers un troisième tome où ça a déjà pas mal éclaté, mais ça va encore éclater, parce qu'il n'y a pas que Leif qui veut en terminer avec Hob. C'est toute une partie de la population, si c'était une grande quantité. Et en plus, on apprend dans ce tome que le protecteur qui est censé justement empêcher Hob de tuer autant de personnes qu'il le voudrait, puisqu'il en a les capacités, il n'est pas tout à fait net. Il a un rôle un peu particulier, et du coup, il y a une rébellion qui va se monter. Et Leif va en faire partie, et du coup, on termine ce tome en se disant le 3 est sorti, mais il est en grand format, j'ai les deux autres en petit, enfin en poche. Quand sort le poche? Et moi, j'ai toujours pas vu le poche dans les sorties. Donc, on va devoir attendre pour lire ce troisième tome, qui paraît-il est très bien, et on a vachement envie de le lire.
Bref, tout ça pour vous expliquer que on est. Moi, je pensais vraiment au début sur. C'est Maud qui m'a convaincue de le lire. Je pensais vraiment. Enfin, non, c'est Marion qui nous a donné envie de le lire. Je remets les choses en ordre. Je pensais vraiment que c'était des gladiateurs, quoi. J'étais restée sur quelque chose de très simple. Et c'est beaucoup plus complexe que ça. Toute la mythologie de Joseph Delaney est vraiment intéressante parce que. Elle est beaucoup plus complexe que ce à quoi on s'attend et du coup on se fait forcément surprendre. Et c'est très très intéressant et de tome en tome, il y a encore plus de choses à retenir et du coup ça demande d'être impliqué dans sa lecture et ça j'aime beaucoup. Et par rapport à l'épouvanteur, on sent qu'on est sur un âge de lecture qui est plus élevé. L'épouvanteur c'est du middle grade à mon sens et là c'est au moins du young adult. Ouais, c'est du young adult. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment Arena 13, ne vous arrêtez pas au titre. Oui, il y a des arènes, oui, il y a des combats, mais c'est bien plus vaste que ça et vivement qu'on sache ce qu'il y a derrière cette barrière. Et voilà, ce point lecture donc est terminé sur une note de suspense pour vous et pour moi. J'espère qu'il vous aura plu et il vous aura donné des idées de lecture. Si vous avez déjà lu ces livres, je vous invite à venir en discuter avec moi en commentaire. Et puis si d'autres vous ont fait envie, à me le dire également, ça me fait toujours plaisir. En tout cas, j'espère que vous faites de très très bonnes lectures et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao !